Lorsqu'on mettait le film qu'on appelle le film de Jésus, et puis tu regrettes. Moi, si j'étais là, je ne pouvais pas tuer le Christ. On ne tue vraiment Jésus-Christ, le Messie. Parce que tu ne connais pas le programme de Dieu. Il avait déjà préparé qu'il doit mourir. C'était tout un projet déjà bien conçu. Et puis il avait préparé. Et après sa mort, Jérusalem Israël. Jérusalem Israël. Viendra être dispersé ou détruit par les serpents. Dans la bête du temps. Et c'était l'Empire romain. Et cela était déjà bien prévu dans Daniel 9, 26. C'est pourquoi on dit après que les rois vont la retrancher. C'est pourquoi Jésus lui-même disait dans Luc chapitre 19, dans Luc chapitre 19, dans verset 41 à 44, au verset 41 jusqu'à 44, Jérusalem, Jérusalem. Il montrait que Jérusalem, Jérusalem, tu ne connaissais pas le temps de ta visitation. Il viendra sur toi. Des nations qui t'environneront de toutes parts. Qui te détruiront. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les paroles qu'il a dites sur la destruction de Jérusalem sont contenues dans le projet de Dieu. Ezalakina verset 26e. C'était au verset 26. Il y a Daniel 9. Et Daniel 9. Que Dieu bénisse. Amen. Donc après que les rois vont se retrancher, après que les rois sera retranché, il n'aura pas de successeur. À cause soit ma montée à cause de Jésus. Et comme on a un projet, Jésus nous le dit dans le projet. Et remplacer à Jésus à cause la tête. Celui qui prendra sa place ne sera pas là. Baloba qui a déjà. On l'avait déjà dit dans son projet. Mais lorsque la conduite de l'Église catholique est venue après Jésus, en 325, on a pris les titres du vicaire remplaçant de Christ. Donc, vicaire est un remplaçant. Donc, Oyazali Kosuesika, Christ ou Tamboazalité. Vicaire de Christ. Donc, Azuesika, Christ étant Christ Azad. Donc, les successeurs de Christ après sa mort. Titre, on a besoin. Ces titres-là qu'ils ont donné. Ils ont donné à leur pape. Verset 26 dans le projet. Le verset 26 dans le projet de Dieu. Dans Daniel 9. Dans Daniel 9. Et Térémélia. Non, s'oppose à cela. Et le but dans les loin à vous allez retrancher. Dans comme on parle la Bible comme on maya zaté la. Il n'aura pas de succès. Il y a besoin de te dire où il y a besoin si canaille naie vous allez te tamboana. Vous l'avez mal en main. Yamboye moka le baki que je serai toujours avec vous. Na kozala kaka kanamino enoko. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bapé, si programme. On a donné le programme. Avec ce verset 7e. Au verset 27. Qu'on a balobé une semaine au Etikali. Là-bas, on a parlé d'une semaine restante. Donc, après que les rois ont retranché. Après que les rois aient retranché. Oyo projet le bien. Les rois dont nous parlent le projet. Et la réalité. Et dans la réalité. Ils ont dit que Christ a couffé. C'est comme Christ est mort. Nasimanayamo. Et après cela, projet wana ya 70 semaines lobaki. Ces projets-là de 70 semaines avec qui nation akoya. Les nations. Les peuples d'un chef. Donc le peuple c'était des Romains. Donc ces peuples-là c'était les Romains. Bangonde baiki pour détruire Jérusalem. C'était eux qui étaient venus détruire la ville de Jérusalem. En l'an 70 selon l'histoire il y a Jérusalem. En l'an 70 selon l'histoire. Après Christ. Après Jésus-Christ. La prophétie de Jélobagia. La prophétie l'avait déjà dit. Mais dans verset 27. Au verset 27. Et Tikali, il se mène à Kata projet. Donc il est resté une semaine dans ses projets. Ce qui m'a tourné, si on te posait la question. Nakata projet où le Seigneur a passé 70 semaines pour la salie à Israël. Dans le projet que le Seigneur a donné dans 70 semaines pour les salies d'Israël. Et Tikali, combien de temps? Combien de temps est-il resté? Tikali, il répond qu'il reste une semaine. Une semaine est à Isaka, 7 jours. Une semaine
vaut 7 jours. Mais la prophétie, maintenant la prophétie, jour, ils ont la carte. Comme jour, place nous sous, dans d'autres écritures, le jour, c'est le jour. L'écriture nous sous, jour, ils ont comme une année. Et dans d'autres écritures, un jour, c'est une année. C'est comme dans Nombre chapitre 14. C'est comme dans Nombre chapitre 14. Dans verset 34. Au verset 34. Zambazo comptait jour comme une année. Le Seigneur compte un jour comme une année. Même si aujourd'hui Ézéchiel 4. Même si vous prenez Ézéchiel 4. Dans verset 5. Au verset 5. Zambazo compte toujours jour comme une année. Le Seigneur ne compte qu'un jour comme une année. Même si aujourd'hui Luc 13. Même si vous prenez Luc 13. Verset 31 à 33. Le verset 31 à 33. Jésus a l'obat qui a consacré un ministère naïe. Jésus avait dit qu'il fera dans son ministère. Trois jours seulement. L'économie au papa. Or, ça a trois ans. Or, il avait fait trois ans du ministère. Abandonné un ministère à l'âge de 30 ans. Il avait commencé à l'âge d'environ 30 ans. D'après Luc chapitre 3, verset 23e. D'après Luc 3, le verset 23. Abandonné 30 ans. Il a commencé à l'âge d'environ 30 ans. Assani na ministère na ye 3 ans. Et il a fait 3 ans dans son ministère. Mais yemoua bengango na Luc 13, verset 31 à 33. 3 jours. Et lui-même l'a appelé 3 jours dans Luc 13, le verset 31 à 33. Donc a confirmé. Donc il nous confirme. Que un jour na Bible bengango appelé une année. Que un jour dans la Bible est appelé aussi une année. Un jour na Bible bengango appelé 1000 ans pour l'ensemble en Zambé. Et un jour aussi est appelé 1000 ans selon le Seigneur. Selon psaume 90 dans la prière de Moïse. Selon psaume 90 dans la prière de Moïse. Un jour est-elle aussi prophète. Un jour représente aussi le prophète. Selon Osée 6. Selon Osée 6. Basolo Belana, trois jours. On nous parle de trois jours. Là, trois jours, il y a Osée 6, verset 1, Tina 3. Et les trois jours d'Osée 6 nous dit est-elle trois prophètes. Nous parle de trois prophètes. Des témoins donc Élie Moïse et puis Christ de Jésus. Élie Christ de Jésus. Vous aurez un amalant, vous suivez attentivement. Mais chaque interprétation est en place et fait. Mais chaque interprétation a un lieu où elle doit se réaliser. Dans le projet en Zamboaz en Angolicola, peuple d'Israël. Dans le projet que le Seigneur assure le peuple d'Israël. Attaque un jour comme une année. Il a compté un jour comme une année. Tamutomoni et Tikali une semaine. Lorsque nous voyons une semaine rester. Une semaine est à 7 jours. Une semaine, c'est 7 jours. Cela veut dire verser en Ezan à 7 ans. Cela veut dire ce verset-là à 7 ans. Où est-ce que nous allons les découvrir? C'est dans les générations qui y est dans. Parce que les projets de l'Éternel subsistent toujours. Et ces projets de génération en génération. Il peut dire une chose. Mais qui s'est après 1000 ans. Mais qui s'accomplit après 1000 ans. Génération où ils ont la millième année, moni ni kamoni salemi malobaka okala. La génération qui vient la millième année voit s'accomplir la chose que le Seigneur avait dit il y a bien longtemps. Ya moni psaume 33 et c'est ce que nous dit psaume 33. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Projet naïe de génération en génération. Pe mabuki sinaïe ni kekina. Oya lobi et salima. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. C'est pourquoi on vient de voir l'Apocalypse 11. Dans l'Apocalypse 11, ce qui est autant verset 2. Si nous lisons le verset 2, nous voyons qu'on nous parle du foulement de Jérusalem au pied. Pendant 42 mois. Maintenant, si nous prenons ces 42 mois, nous commençons à nous poser la question. Une année à combien de mois? Une année à combien de mois? 12 mois. 12 mois. Maintenant, ce qui tout a dit 2 ans, et vous en avez combien de mois? 2 ans, feront comme 24 mois. 24 mois. Si on tourne 3 ans, si nous parlons de 3 ans, et vous en avez combien de mois? Combien de mois? 36 mois. 36 mois. Maintenant, katikati année. Maintenant, la moitié de l'année. Et ça, on a combien de mois? 6 mois. Surtout aussi, 6. 6 mois, tu vas ici, on a 36 mois. Et bien, ils sont combien? Si nous rajoutons 6 mois ou 36 mois, combien? 40.
C'est la vérité qu'on parle de 42 mois. C'est la vérité qu'on parle de 42 mois. Il est colombé là. 3 ans et demi. C'est la vérité tout simplement 3 ans et demi. Ah, c'est que 3 ans et demi n'est l'homélie ma jour, les a 3 jours et demi. C'est pas, nous comprenons que le 3 ans et demi en langage de jour, c'est les 3 ans et demi. Non, pas jour, c'est 3 jours et demi. Dans le jour, c'est 3 jours et demi. Selon Daniel 9. Selon Daniel 9. Dans ce cas-là, nous faisons bien. Maintenant, si nous avons le verset 3. Maintenant, si nous prenons le verset 3. Il y a Apocalypse 11. Apocalypse 11. Pour nous, nous avons le Seigneur dit que je donnerai à mes deux témoins. Là-bas, le Seigneur dit de donner à ces deux témoins. Il va donner à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ma coquille à Koussakola. Revêti de ça. Pendant 1260 jours. Mikolo 1260. Donc tu fais 1260 pour Tiwa. Nous prenons 1260 et nous les mettons. La Bible. Dans la Bible. Moi, il y a 29 jours, net février. Il n'y a pas de mois de 29 jours de février que nous avons aujourd'hui. Bien, moi, il y a 28 jours. Il y a le mois de 28 jours, il n'existe pas. La Bible. Dans la Bible. Sont comme moi, ni moi, ni on sur la Bible. Si tu vois tout le mois dans la Bible. Bah, qui ça toujours 3 mois. Il faut toujours ajouter 3 mois dessus. Ce qui va être ici, premier mois de l'année. Si on te parle du premier mois de l'année, Eli Koloba, cela veut dire, aux entre mars et avril. Tu es entre mars et avril. Vous aurez un malin. Vous suivez attentivement. Donc, on a d'abord les vies où ils étaient en Israël. Là, d'abord, c'était la vie qui était en Israël. Dans la loi, ils ont appelé Pesakabango. Dans la loi que le Seigneur leur avait donnée, à Pesakabango, calendrier, jour. Il leur avait donné le calendrier au mois qu'il sortait de l'Égypte. Et Israël a son calendrier. C'est dans ce mois-là qu'Israël reçut le calendrier. Ce calendrier-là était de Dieu lui-même. Le Seigneur l'a donné d'un jour. Après sa calendrier à Bible, il a donné Exode 12. Le jour où il avait donné le calendrier de la Bible. Alomi, moi, oui. Il a dit c'est moi-ci. Pour vous Israël, sera pour vous le premier mois de l'année. Vous suivez la parole du Seigneur. Pour le païen, c'est le troisième mois. C'est le troisième mois. Vous avez un malin? Vous suivez attentivement. Mais pour Israël. Mais pour Israël. Ezalaki, premier mois de l'année. C'était le premier mois de l'année. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi elle leur avait dit que vous allez capturer l'agneau le dixième jour. Vous observez un motif 4 jours. Et puis vous allez le garder 4 jours. Le 14e jour, il y a premier mois. Et le 14e jour du premier mois. Et vous posez la Pâque. Et vous immolerez la Pâque. Vous êtes là, madame? Vous suivez attentivement. Ah. C'est pourquoi vous allez remarquer. Bah, catholique à Tabazana erreur. Les catholiques, même s'ils sont dans l'erreur, mais na maillé les bouillés, bah, étudia qui peut par rapport au calendrier et à Bible. Mais ils avaient étudié aussi par rapport au calendrier de la Bible. Parce que tu es dit que Pâque véritable. Parce que nous savons que la Pâque véritable. Et ça, Christ de Jésus. C'est le Christ de Jésus. Pâque est dit qu'à la seule date, vous êtes. La Pâque n'est plus restée une date. Et ça, Christ de Jésus. C'est le Christ. Mais Pâques na date boyé. Mais Pâques dans la date de l'année. Il faut ezala na kati ya fin mars. Il faut qu'elle se retrouve à la fin. Parce que vous remarquez. Parce que vous savez. Ceux qui Pâques s'animent à Israël. Si la Pâque se fait en Israël. Ezala kana premier jour ya pain sans levain. Il y a le premier jour du pain sans levain. Donc ezobi maneti 15e jour ya premier mois. Paraît comme le premier jour du premier mois. Après, premier jour à premier mois, selon les juifs, Jésus a couvert qu'il a monté. Le premier jour du premier mois, Jésus n'était pas. À qui a célébré le repas du Seigneur. Il était allé célébrer le repas du Seigneur. Et Dieu bénisse. Amen. Dans Matthieu 26. Et puis, lorsqu'il est mort, a sali 3 jours d'après les Écritures saintes. Il a fait 3 jours d'après les saintes Écritures. Cela veut dire que Bimanaé na tombo. Cela veut dire sa sortie. Et ça, le mot, le 4e jour, il y a pain sans levain. C'est comme le 4e jour du pain sans levain. Donc, ce qu'on a dit dans le calendrier. Donc, en regardant dans le calendrier. Et qu'on tombait à peu près.
Donc, 14e jour, vous vous mettez à Nyon. Donc, le 14e jour, vous immolez la vie. Vous vous mettez à la fête à Pain sans levain, ça a 7 jours. Et vous commencez la fête de Pain sans levain. Et il y a un fils à Sébouine, le 4e jour, il y a Pain sans levain. Et puis, il est mort dans le 4e jour de la fête de Pain sans levain. Donc, écoute, du manet, le 19, il y a premier mois. Cela peut paraître comme le 19 du premier mois. Vous aurez un amalan. Amen. Ah. Maintenant, ceux qui basent sur un peu mon calendrier, oui. Maintenant, si on les prend pour le. Oui, toujours ça, les lamois dans ma belle calendrier, il y a papoté à Grégoire. Que nous utilisons sur la terre, les calendriers de Grégoire. Oh, tout ça, les lamois. Que nous utilisons. Alors, au tien, on en a quatre. Et tu le mets là à l'intérieur. Et qu'on tombe, moi, il y a des bosseaux, ils ont bandé dans la Bible, ils ont dit. Le 15e jour, il y a mars. Le premier mois va débuter le 15e jour du mois de mars. Que nous des mois, il y a des mois. Que le premier mois commence. Maintenant, si vous placez 19, il y a 15. Mais si, si tu places 19 sur le 15. Vous avez remarqué que les autres sont dans la première semaine d'avril. Tu remarques que cela tombe à la première semaine du mois d'avril. Hein? Parce que 15, si vous ajoutez 19. Parce que si vous ajoutez 19 sur 15. Et au P, ça c'est plus à peu près 34. Cela peut donner à peu près. Or, ben, moi, il y a Bissoua, et ça va parfois 31 et 30. Or, non, moi, ça arrête à. Donc, ils ont tombé dans la première semaine d'avril. Et cela tombe à la première semaine du mois d'avril. Il y a un moni catholique na Bouinga. C'est pourquoi catholique, dans son ignorance, a célébré à Pâques. La première semaine d'avril. Célèbre la fête des Pâques à la première semaine du mois d'avril. C'est selon les calculs, il y a calendrier. Oui. Et c'est selon les calculs de ces calendriers. Azu a mis en haut le calendrier de Grégoire. Et puis il a transposé dans le calendrier de Grégoire. Donc, nouvelle année en réalité des chrétiens. La nouvelle année en réalité dans le calendrier d'Abisson. Dans notre calendrier. Les Anaka. Donc c'est. Mars. C'est le mois de mars. Par rapport à l'écriture de la Bible. Par rapport à l'écriture de la Bible. Donc, ceux qui t'ont commis ensemble à la fin de l'année selon le calendrier, Boyo. Si nous allons glorifier le Seigneur à la fin de l'année selon le calendrier. Nous allons bien que tout ça à peu près 12 mois. Nous allons commis ensemble pour te parcourir 12 mois. Nous disons à Dieu, nous glorifions le Seigneur parce que nous avons à peu près parcouru 12 mois. Vous allez en malam. Vous suivez attentivement. Parce que promesse est dans Daniel 7. Parce que la promesse est dans Daniel 7. Il espérera changer le temps et la loi. C'est une promesse dans la corne et mabé. C'est une promesse du côté de la paix. De la promesse va changer, va changer. Ce sont eux qui ont changé les lois et les temps. Amen. Mais il y a des temps dans la Bible. Mais il y a des temps et les lois de la Bible. C'est pourquoi j'ai parlé de cette manière. Donc c'est que na kati na yango il faut na yango comprendre que c'est-à-dire en toi tu vas comprendre quand Christ est retranché quand Christ on va vomir à l'ombre dans ma vie Jérusalem mazokota na passe Jérusalem entre dans le malheur na projet de Jésus-Christ. Et dans le projet, c'est là. Dans le verset 26, il y a Daniel 9. Au verset 26 de Daniel 9. Maintenant, au verset 27. Maintenant, tu viens au verset 27. Une semaine. On parle sur une semaine. Une semaine, on est à 7 jours. Donc, nous avions montré qu'une semaine, c'est 7 jours. Et c'est 7 jours. Un jour comme une année. Donc, il y a 7 ans. Un jour comme une année, 7 ans. Tout le temps, il y a psaume 33. Les projets de terrain subsistent toujours. On a lu le projet de l'Éternel qui subsiste toujours. Et ma projet n'a été génération en génération. Et ce projet de génération en génération. Mon compte a pu effacer le projet en ça. Et personne ne peut effacer le projet. Quand il dit, la chose arrive. Et l'homme est comme ça. Donc, il y a dans Daniel 9. La chose qu'il avait dit dans Daniel 9. Verset 27. Au verset 27. Et ils ont comme en Apocalypse 11. Arrive dans Apocalypse 11. Après ma siècle. Après plusieurs siècles. Parce que ces projets sont anéantis. Parce que ces projets ne sont jamais anéantis. Sokin Zambé a bongisi et loko du colonna yo. Si le Seigneur prépare quelque chose sur toi, Ata banyati yo komi plat. Même si on t'a foulé au pied, que tu deviennes plat. Nzamba ko disposer kaka, au salimonga ya mosambela aussi.
Le Seigneur va disposer un serviteur pour prier en ta faveur et tu réussis. Cela ne veut pas dire que ce serviteur est très puissant. C'est pour que la parole de Dieu demeure la vérité. Et que ma mission à moi Dieu pour cet homme n'était pas encore. C'est pourquoi il va susciter. Dans la personne qui va choisir. Il prie seulement là où il y avait l'accident. Et puis la personne ressuscite. Pour montrer que le Seigneur n'a pas encore fini son œuvre dans cet endroit. Dieu est fidèle dans sa parole. La parole de Dieu est plus solide que le ciel et la terre. Il faut que se prosterner. Il faut que vous vous prosterniez devant ce que le Seigneur a dit. L'élever. Pour promesse naïe, ils en ont effacé. Parce que ses promesses sont immuables. Oh, y'a l'oublié salé. Ce qu'il a dit, ça a et donc on est raisonné, ma casse n'a qu'à t'en aille. Que cela puisse résonner en toi. Zambabé, mais ça n'a pas projet à battre à Moulini. Le Seigneur anéantit les projets des gens de ténèbres. Totanyam en psaume 33. On l'a lu dans psaume 33. Pendant qu'il a verset 9, 10 à 12. Du verset 9 à 12. Mais projet en Zambé, mais le toujours. L'éternel subsiste éternel. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Le Seigneur peut ôter même la vie d'une personne. Mais toi, tu ne connais pas. C'est seulement passer là où tu étais bloqué. Une personne peut te bloquer même dans les services. Il bloque ton dossier. Ça va créer les problèmes. Mais le Seigneur les crée des problèmes. C'est pour qu'il soit licencié. C'est seulement pour que tu puisses passer. Mais toi, tu ne le sauras pas. Ce sont les mouvements de l'œuvre de Dieu. C'est peut-être que cet homme-là te bloque. Pour que ton dossier ne passe. Il fait seulement le jour où on doit discuter le problème de ton dossier. Et le Seigneur le frappe de la maladie. Il reste à la maison. Même s'il était véhiculé, il n'y a plus moyen de monter. Parce que le Seigneur veut libérer son fils. C'est ça. Les projets de l'Éternel subsistent toujours. Ma bouche s'y entame où me la casse corps. Son calomnie comme un commissaire n'a place pour lui. C'est lui qui va te faire arriver à terre. Attends les guéris d'un commissaire. Même quel problème il te fera. Parce qu'il est Dieu. Tout est à lui. Mon bébé, le vent est à lui. Attends toi Philippe. Dit-on de Philippe. Afin qu'il transforme la Zanzan. Il manquait les transports. Les partout les moyens qu'Amutanana et Niketchopien pour Niketchopien Zozon. Mais le Seigneur faisait par tous les moyens que Philippe croise les Niketchopiens qui étaient derrière. Ensuite Philippe. Il a pris Philippe. Il l'a transporté par les voies. Il a besoin que Niketchopien guère. Parce qu'il avait besoin que le Niketchopien soit enseigné. Philippe a conduit comme ça. Philippe ne va pas se glorifier. Vraiment comme je suis là. Philippe parle. Philippe dit. Je vote. Le Seigneur avait besoin de prêcher le Niketchopien. Il a vu le Niketchopien. À telle distance, il y a Philippe de Niketchopien. Alors, il faut que Niketchopien soit sauvé. Lui-même, l'auteur du vent, a vu Philippe. Il a pris Philippe. Il l'a amené. Les projets de l'Éternel subsistent toujours. Ma bouche en zambé, où met la kabiké? Pour accomplir le projet à Salia et Niketchopien. Pour accomplir le projet du Seigneur. Amen, mon tout mon biman à mon pépé. Il a transporté tout un homme pour les voyages. Pour venir prêcher le Niketchopien. Pour avoir que sa parole est puissante. Pour dire que sa parole est puissante. Awama n'a jamais sa parole. Il est réuni, mais. Ceux qui le lui ont dit, mais. Si même aujourd'hui tu crois. Mais sa gloire à Dieu. Parce qu'à mon guise, il y a le mot d'incrédulité dans la carrière. Appelle ça la foi.
et de te donner la Atiana quatre esprit à repentance. De mettre en toi l'esprit de la repentance. C'est lui. C'est pourquoi ton lobaké yenda sala kanyos. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui fait toutes choses. Yango tozo ki sala kaema tout. C'est pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Moi ça n'allait nous exalter. Il n'y a pas moins que nous soyons des orgueilleux. Yemo ko atunaka. Lui me pose la question. Kati ke tinere. Osana nini yo ba pesa yo te. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout c'est lui qui le donne. Tu étais venu sur la terre nu. Tu n'étais pas né avec des dollars en main quand même. Tout c'est lui qui te l'a donné. Tu es venu. C'est lui qui avait créé ta propre mère. Pour voyager déjà. Il avait déjà pourvu ta ration sur la terre. Après, il te l'a donné. L'élève maternel, lui, le Seigneur. Lui, Dieu. Qu'as-tu que le Seigneur ne t'ait donné? Tout c'est Dieu. Nous sommes assemblés. Le souffle, c'est lui. C'est quand tu ne peux pas l'échanger. Et tu n'as plus de semblables à deux corps que tu peux détruire l'un pour porter l'autre. Non, bien-aimé. L'industrie de blanc ne peut pas fabriquer ton corps. C'est Dieu. Seul Dieu. C'est pourquoi la reproche à Kabande Kwebele, Zambasani Mizaka bien. C'est pourquoi je reproche à beaucoup de frères, de sœurs. Aussi, l'industrie est ça. On tient les colons à haut ambassade. Et puis tu couvres. A éviter construire sur le cap un problème n'a créateur. Je ne sais pas. Ce qui y a sali, les cheveux qu'il a fabriqués. Aux yeux y a mouton sali. Mais tu prends des. Aux yeux en zambé on a mis un côté. Mais tu utilises. Y a mon dernier. N'a éviter ce qui combien aux autres qui s'attend. À éviter, si vous en comprenez. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Ce qui m'aime, mon corps, l'industrie dans mon corps, ça n'a pas été ce qui m'aime. Aucun industrie de blanc à l'Occident ne peut faire un seul de mes cheveux. Azate. Amen. Donc, c'est qu'il faut te dire, craindre Dieu. On va savoir. Et que vraiment la grâce du Seigneur est à Nicolas Nayo. Que le Seigneur nous sa grâce que nous croisions le soir. On a 15h30 par la grâce de Dieu, tout est éliminé. Tantôt là, nous sommes dans Zambé. Témoigne d'abord, déclare. Parce que ça, la grandeur du Seigneur, parce qu'il nous a fait tout. Mais tantôt là, que Bilakanaye et Koko Kisamakak. Et déclare que ses projets ou ses promesses s'accompliront certainement. Et on sera nommé. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Lui, Seigneur, moi je crois. Dans un tel problème que tu m'as dit, je le vivrai. Diable t'a montré la nuit. Oh, Koufi. Tu as commis l'accident. Dis, Seigneur, tu as anéanti les projets des peuples. Cela ne s'accomplira jamais. Et il y a des gens qui font des rêves à tout moment dans ton village. Au village, il voit seulement des morts, ses ancêtres. Dis que moi je suis un vivant. Tu es le Dieu qui règne à jamais moche. Vous allez les dieux de paix et grâce. Ngolo na yo et zali ngolo et koukana nios. Mon côté à koukanina. Ma piège nios ya moni. Ma programme nios ya moni tenable. Nazali ko annulé ya mo. Pour rendre l'amour sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, va concilier les nions, va régner nions au monde ténèbres contre ma vie, contre ma maison, contre mon épouse, contre ma vie, contre l'œuvre de Dieu. N'a qu'elle est menée à mon accompagné sous Christ. Malheureux, malheureux, pour la liwa, échanger à la pomme.
Et si Kabalobi Tokwaya, Seigneur Toté, et si Kabalobi Torata Sol, Torata Gloire, Kouya Nayo et Kaki Samanayango, la Katina Libota Nayo, Kole Nayo et Moni Samanayango, Zambenabia, Seigneur, ton monté, ton monté plus haut, ton monté la sommet à montagne, ton piqué la gloire Nayo Jésus, Misara Yabane Kouefoma, Pomo Yande Komo Konama Kouefoma, grâce à l'autorité de l'État. Et si la maladie des âmes, n'a pas moi un écho, Jésus-Christ, quand mon roi Bala, n'a pas là, ma bonne qui va maudire le peuple, et comme toi qui réfléchis, au boya qui malédiction, qui changea la malédiction bénédiction, aux amis Zambé à son nom, il va mourir dans les âmes de. Et si Kabakongi s'y va sacrifier ma soeur, à vivre au nom de Jésus-Christ. Et si Kabakongi s'y va sacrifier mon frère, à vivre au nom de Jésus-Christ. Mais Cheikh Bachéli, à sa victoire au nom de Jésus-Christ. Mon Lili, il y a mon dit ténèbre, où il faut troubler sa vie. La lumière est salée et qui s'en tira au nom de Jésus-Christ. Ton nom seul est élevé. Grâce à lui, ça la manifeste. Puissance à lui, ça la manifeste. Glorifie-toi, Seigneur. Règne dans nos cœurs. Domine l'Église, Jésus. On s'est manifesté dans nos âmes. On est dans nos puissants. Le peuple dans nos âmes, on est dans nos âmes. Ma compagne, Jésus Christ, comme moi, je suis ici, qu'on a pu se sentir nos côtés. Comme moi, je suis là, moi, je suis là, 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 et pèse-lui son kini, à comprendre Jésus Christ. Oh Jésus, sois béni. Zala glorifie. Zala loue. Zala exalté, magnifié. Et Dieu de toute éternité, mon roi. Au Kumamanaïo puissant. Oh Zalanaïo glorifié, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Ah. Tout bénir Jésus-Christ en bon.